papiers. Allez hop. Vous savez pas qui vous parlez. Je m'en fous. Oh mon Dieu, faut m'affaire vite, hein. Parce que 4 heures on part en manœuvre, il faut qu'ils soient tous bruités. Ordre du major. Allez hop, je verbalise. Et je téléphonerai ensuite à Paris pour vérification. Que je ferai mieux la prochaine fois. Lucien. Lucien. You. Non. Yes, it's you. Toutes réflexions faites, je vais faire l'enquête moi-même. Vous êtes intelligent, Bécavé. Moins intelligent que moi, sans ça vous seriez inspecteur principal, mais c'est bien quand même. Priorité police allemande. Méfiez-vous, j'ai mes relations. Un flic qui vient se confesser. Ici police, commissaire Jus, ouvrez. Allez, ouvrez. Qui vous a demandé de faire ça? C'est vous, ma sœur? Non, ma mère. Mio Dio. C'est à vous de la lire la Torah. Non, je ne fais pas. C'est trop de l'honneur. Tant pis, je suis encore plus émotionné que vous, vous savez. Ah non, hé, je suis là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, vous n'allez pas m'escamoter depuis le temps que j'attends. J'ai honte de voir ça. Prénom. Maurice. Marius. Non. Pas Marius. Maurice. Ah, Maurice. Tout était comme moi, sans dessus-dessous. Premièrement, que les femmes ont un redoutable avantage sur nous. Elles peuvent faire semblant, nous pas. Qu'avez-vous à déclarer? Monsieur le Président. À vos ordres, monsieur le maire. Embarquez-moi tout le monde, je suis là. Tous ces faux billets vont finir par se faire remarquer. Ça ne sont pas de faux billets, crétin! La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? Et qui a dilapidé toute cette fortune? Ah! Le voici, peuple! C'est ton indigne roi Maclouf! C'est mon état de connaître l'avenir. Et j'ai particulièrement étudié votre horoscope. C'est un conte à dormir debout, vous nous faites là. Que dis donc? On dirait qu'elle saute. Ah, c'est peut-être de l'eau gazeuse? Non. Allez-vous-en! C'est tout de même un cas typique de névrose obsessionnelle. Ah, et alors? Psychanalyse. Salut, psychiatre! Il est un peu nerveux, notre ami Jimmy, hein? Un petit coup de psychanalyse, ça lui ferait pas de mal. Oui. Incision sus-abdominale, fascia superficialis. Sacré logis, on te voit toujours au bon moment. Étrange. Eh, viens prendre un verre. Plongeur qui bouffe les verres. Je parle d'une trouvaille. Allez, Sylvie. Je te l'offre, pas la peine. Tu vas voir. Je suis navré. Mais je vais arranger ça. Saint-Denis, le tombeau des rois, c'est également très amusant. Vous amenez là. D'accord. Garçon! Mademoiselle Désir. Deuxième service. Deuxième service. Je suis à voir. Allez-vous. Vous avez pris une décision au sujet du petit Versailles, on lui enlève ses étoiles? Ah, c'est délicat, il faut y retourner encore une fois, c'est... Oh, pardon. Moi, je me taperai sur la tête jusqu'à la mort avec un sabot, comme devraient faire tous les vrais saboteurs. Allons. Et la compagnie. Vous êtes fatigué? Plus rien. Alors descendez, reprenez votre service au magasin. Monsieur Janvier, 45 rue Poliveau. D'ailleurs, ça foudroie les puces, les mites, les fourmis et les poux. Notre concurrent Toximite lance son nouveau produit. Oui.
Ben Marcel, ça vient? Ferme! Allez, hop là! Voilà, parti! Ça s'est arrêté là! Mes doigts! Petrosaldo! Ah ben, les soucis! Ça peut bien le croire quand on est au bord de la faillite. Oui, oh ben alors là, de ce côté-là, ça s'arrange. Non, parce que moi, je les aurais pas vendus là, ni là, ni là, ni là, ni là, je les aurais vendus là! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ratier. 2 heures de retard. Vous avez été malade? Je connais les méthodes de Muller, et s'il croit me faire peur, vous pouvez lui dire de ma part qu'il se met le doigt dans l'œil. Ce ne sont pas de simples petits pavillons de banlieue qui vont empêcher le progrès de passer. Je n'ai jamais poursuivi qu'un seul but. Respecter, servir et gâter mes bons et fidèles clients. Et qui êtes-vous, monsieur? Victor Pivet, industriel à Paris. Peut-on connaître votre opinion? Oh, la même que la vôtre, monsieur le directeur général. Voilà quelqu'un d'intelligent. Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Je suis un peu en retard. J'étais sans conférence avec monsieur Gobert. Ah oui, il sort d'ici. Oui, non, c'est pas le même, c'est le petit Gobert, c'est petit Gobert. Moi, en ce qui me concerne, je vous prendrai simplement une commission d'usage de 10%. D'accord? Eh ben, si vous croyez que c'est avec une tête pareille que vous allez attendrir le percepteur, vous vous trompez. Non, mais quant à moi, je ne serais peut-être pas à mon âge un simple caissier dans une banque. Ben, t'en serais peut-être devenu le patron. Mais parfaitement. C'est-à-dire que vous bâclez le soir, ce que vous ne trouvez pas le moyen de faire ici pendant toute la journée. Aujourd'hui, il y a un travail fou, d'un chantier malade et vous arrivez à 9h30. Ah, une autre vedette. Le photographe officiel de Mérémont Oppert. Alors, les photos de Monsieur Walter? Ben, le train va pas m'attendre, moi. Le train de Monsieur Walter. D'abord, moi, je ne peins pas ce que je vois. Alors, pourquoi tu regardes? La la la... la, la, la. J'ai découvert un chef-d'œuvre inconnu de Goya! Vous seriez vendeur? Oh, dites, mon petit, foutez-moi la paix avec vos achats de tableaux, hein? Eh oui, en forme de poire, vous comprenez, Grimaldi? Si, ma, je m'étais inspiré des Saint-Pierre de Rome. Vous êtes bien Adrien Verduret, 40 ans, tailleur rue de l'Abbaye. Enfin, mort naturel ou pas, moi j'ai mon papier, le vase qui tue, hein, c'est un beau titre. Et vous allez voir le boucan que ça va faire. Nous n'attendons plus personne. Non, monsieur Bertrand. Alors, veuillez ouvrir, s'il vous plaît. Tu es un auteur comique à succès, mais alors dans le genre policier, tu es... Mais mon histoire, qu'est-ce qui ne va pas dans mon histoire, mon histoire? Oui, monsieur, on me nomme Scapin pour vous servir. Non, mais quoi, non! La cuisse, ce sera pour tout à l'heure! Allez, couille-là! Bah dites donc, vous! Mais fassez pas la tête! C'est encore un petit moment! Alors, t'as attendu, oui? Ah, je découvre des harmonies nouvelles et je suis un... Oui, à l'attendant, tu vas me faire le plaisir de vider le corps! 5, 4 et 3. Vous avez dû écrire de merveilleuses chansons d'amour. Oh, comme tout le monde. C'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.